Salut tout le monde, c'est Azog. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire comme mon avatar qui est là, que je viens de changer il n'y a même pas 2-3 minutes. Je me suis dit que j'allais faire un tuto. Donc, pour ça, vous allez avoir besoin d'aller sur Facio Manga. Je vous mettrai le lien dans la description. Une fois que vous êtes arrivé sur ce site, vous allez cliquer sur Facio Manga. Non, pas. Oui, pas. Non, non, dans Create, excusez-moi. Là, vous choisissez, vous êtes un garçon ou une fille. Et là, c'est le moment de personnaliser votre manga, enfin votre avatar. Donc là, moi, je vais faire un peu n'importe comment parce que je l'ai déjà fait le mien. Donc là, pour l'instant, vous faites juste avec les cases qu'il y a en gris. C'est juste. Voilà, on va le faire comme ça. Tac. Détail. Donc j'ai découvert ça grâce à un tuto sur internet, mais enfin YouTube, mais je me suis dit que ça valait le coup. Donc voilà, imaginons que là, enfin là il n'est pas fini. Après vous allez cliquer sur la coupe de cheveux, longue ou courte. Voilà, on va le faire comme ça. Après, ici c'est pour les habits. Moi je le vois bien comme ça. Non, comme ça. Voilà. Là ça c'est les logos, si vous voulez que... Il y a des logos, des trucs. Bon, là, on le voit pas très bien, mais regardez, il est là. Ouais, il est juste ici. Bon, logo, il y a Pac-Man, il me semble. Enfin, les. Non, salle. Je sais pas comment ça s'appelle. Et on peut pas le déplacer. Bah, les lunettes, le piercing et tout. Ça, c'est les doigts, par exemple, si vous voulez faire comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou. On va faire un joueur de rugby. Ouais, de rugby, je sais pas comment ça s'appelle, avec un micro. Et donc ça c'est le fond qu'on pourra changer, je vous expliquerai comment. Imaginons que là il est terminé. Vous allez faire save. Vous mettrez votre adresse email, etc. Donc moi je vais mettre la mienne. Mettez pas Afghanistan, mettez Amérique, on s'en fout. Police, on sauvegarde. Et là, d'ici quelques secondes, vous allez recevoir votre mail. Donc ne quittez surtout pas cette page. Il est en train de créer votre mangatar, comme ils disent. Voilà, donc une fois qu'ils ont envoyé le lien, vous allez aller sur votre boîte mail, vous allez refresh, et là, dans courrier indésirable, c'est important, vous allez recevoir un mail, premier lien, autorisé. Une fois que ceci est fait, en bas, c'est marqué download your... Oh, pardon. C'est pas celui-là. Attendez. Ouais, c'est celui-là. Donc vous allez faire download avatar, vous téléchargez. Enregistrer le fichier, ok. Une fois ceci fait, vous allez le mettre sur votre bureau, comme ceci. Et maintenant, je vous montrerai comment le modifier et le mettre sur YouTube. Parce que si vous allez voir cela, par exemple, si je veux le mettre directement, vous allez voir que ils vont me dire que la taille est trop petite. Et ça, je vais vous montrer comment le régler aussi. Donc, je vais vous montrer comme quoi. Voilà, la taille fait 250 pixels minimum sur 250. Donc là, on n'a pas la taille. Nous, le format c'est du 180 par 180. Donc pour ça vous aurez besoin de Photoshop. Alors attendez, hop, fermé. Donc voilà, vous aurez besoin de Photoshop. C'est très simple. Là vous allez faire édition. Non, nouveau, ouvrir. Vous cherchez votre image, ouvrir. Donc si vous voulez garder le fond, vous gardez le fond. Mais si vous voulez pas le garder, vous faites comme moi. Vous allez appuyer sur le petit cadenas. Il faut que vous appuyez plein de fois sur le petit cadenas. Regardez, je vous remontre. Voilà, vous appuyez deux fois, nom du calque, calque 0, vous mettez ce que vous voulez. Oui. Si vous voulez enlever le fond, vous allez prendre le petit pinceau comme ceci, ou alors la baguette magique, mais l'outil de sélection rapide. On va faire un clic ici. Voilà, donc là vous faites comme ça. Tac, ça enlève tout. Pareil pour l'autre côté. Petit à petit, tac, ça enlève tout. Et là, si on veut enlever ça aussi, vous désélectionnez tout. Vous prenez la petite flèche, vous mettez votre texte. Donc, imaginons que là on écrit Azog. Voilà, ça se voit pas du tout, c'est normal. Attendez, tac, voilà. Moi je vais le laisser comme ça parce que je m'en fous. Enfin, celui-là c'est pas celui que je mets, donc je m'en fous. Une fois que ceci est fait, vous reprenez encore la petite flèche en haut. Vous faites clic droit sur votre texte qui est ici. Option de fusion. Là, vous choisissez si vous voulez de l'ombre portée derrière ou etc. Pour ceux qui connaissent un petit peu.
Sinon, je vous conseille de mettre incrustation en dégradé. Dégradé, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis celui-là sur mon truc personnel et j'avais mis un angle comme ça. Ah non, je sais plus trop comment j'avais mis. Voilà, une connerie dans le genre, par exemple, pour qu'il y ait plusieurs couleurs. Ou incrustation motif, hein, il n'y a pas de problème avec des bulles et tout, donc comme ceci, voilà, bon, on l'en voit pas très bien. Vous faites OK. Imaginons que là maintenant il est terminé, il n'y a pas de fond, c'est normal. Fichier, enregistrer pour le web et les périphériques. Donc là vous voyez qu'il y a maintenant il y a un fond blanc. Logiquement c'est en GIF, vous mettez bien JPEG. Largeur, et là ça va nous intéresser 250 par 250. La taille minimum. Et là, vous faites enregistrer où vous voulez. Moi, je vais le mettre dans un nouveau dossier. Voilà. Donc là, il est enregistré. On va aller sur YouTube, sélectionner un fichier. Ah bah moi, il est déjà trouvé directement. Donc sinon, vous allez dans Bureau, vous tapez nouveau dossier, ouvrir votre fichier. Et là, vous allez voir qu'il va entrer parfait avec le nom qui est en bas. Ça fait gros pixels, mais quand vous la mettez... Vous inquiétez pas, regardez, je vous montre, voilà, donc ça rend très très bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine, allez, peace.